Con te lana veruta así.
Ouais. Voilà, excusez-moi. Je vous ai vu en fait sortir du poste de police en courant. J'ai rien compris, monsieur. Je viens de sortir de l'hôpital. Je voulais savoir ce qui était devenu de ma voiture. Votre voiture n'est pas venue ici, non? Parce que en fait, il y a les dépanneurs qui devaient venir la chercher, mais j'ai aucune nouvelle des dépanneurs. Je voulais savoir si vous pouviez savoir. Non, je n'ai pas d'informations à vous informer à propos de votre véhicule parce que elle n'est pas du tout ici. Et puis les mécanos ne sont pas passés quand j'étais dans le poste, donc je pourrais pas vous aider. Voilà. Est-ce que vous Maintenant, pouvez. contactez-les et essayez de savoir si voilà, voir si eux sont disponibles à vous répondre. Est-ce que vous pouvez m'emmener à quelque part? Voulez que je vous amène où? Voir au garage s'il y a moyen que je la récupère si jamais elle est là-bas ou si y aller au mécano. Attendez que j'ai Attendez, quelques temps venez après. alors. Oh, je lag, ça m'énerve. Comment ça, t'as été piqué? Allez-y, montez. Tu quoi? Ben, c'est que t'as arrêté de peler, hein. C'est avec l'eau chaude, hein, mon cœur. Voilà, s'il vous plaît, monsieur. À se demander comment t'as fait pour avoir des paillettes. Moi aussi, je me réjouis d'être demain. Comment ça se fait? Monsieur Cheveux Bleus, bonsoir. Bonsoir. Bon, on a fini le dossier avec Nicole, je vais essayer mon collègue vous transmettre ce dossier. Ok, vous avez un dossier écrit? Oui. Attendez, venez, on va y aller à l'intérieur parce qu'il vu qu'il pleut. Non, j'ai pas entendu, excuse-moi mon amour. Comment ça se fait que tu t'es claqué un muscle? Donc alors, Madame D'accord. Nicole souffre de Attends. troubles du comportement et elle perd beaucoup la mémoire. D'accord. Donc apparemment, suite à son mari, son ex-mari, pardon,
comment c'est? Denis? C'est quelque chose du style, ouais, j'ai cru entendre un Denis tout à l'heure. Qui doit lui créer beaucoup de problèmes apparemment. Et donc du coup on y a fait des tests et les tests sont positifs. D'accord, donc elle est petite, elle Elle est est folle folle. quoi, tout simplement. Elle est ouais, elle est folle. D'ailleurs, elle a été placée en cellule pour les fous. Ah, vous l'avez déjà placée dans une cellule isolée? Oui, on a été obligé de la transmettre parce que elle a failli nous mordre. Ah ouais, Elle d'accord. est devenue folle. Ok, bah je vais informer mes collègues que c'est pas possible alors qu'elle est folle quoi et que vous avez pris le nécessaire de la mettre dans une cellule fermée. Oh, je Bah, on sais l'a ça. transmis directement en cellule suite aux morsures qu'elle a voulu nous faire. Oh, mon cœur. C'est tout pour vous, monsieur? C'est parfait, merci. Si vous sauriez remettre ça en transmission écrite, ce serait génial aussi. Comme ça, on a une preuve à mettre dans les dossiers et on pourra clôturer le cas de madame, quoi. D'accord, bah, je vous transmets ça par mail. Merci Un de mes beaucoup. collègues va le faire, mais un des deux va le faire, vous inquiétez Ok, il pas. n'y a pas de souci. Tant que j'ai le dossier pour clôturer l'affaire, ce sera bon, quoi. D'accord, Voilà. bah, Bah, merci merci bien. beaucoup à vous. Et puis Au revoir. bonne soirée à vous, soyez prudents. Vous avez pas un parapluie? Non, j'ai pas de parapluie, désolé. Dommage. Sorry. Allez, bonne soirée. Bon, c'est pas grave, merci, au revoir. Donc, elle est folle. Propriétaire de la voiture immatriculée YKU512, responsable quoi? Responsable Rico Blue est pris de présenter à la police fédérale. Je vous remercie d'avance. Comment ça? Elle joue le personnage d'une femme folle, ouais. Accueil, ça s'écrit comment mon cœur? AC. Accueil. UEIL. Oui, je sais. Tu me l'as dit. Donc Kylian va devoir m'envoyer le dossier de la femme folle. J'ai déjà reçu le rapport d'incident. Coup au niveau du bassin, blessure à la tête suite à un coup dans le pare-brise, fracture de la jambe, devra porter une attelle, trouble de la mémoire suite à la perte de connaissance, le côté légèrement abîmé. Madame Nicole Model, couloir C à côté de la pharmacie, chambre 374, procéder à une injection de morphine pour calmer la douleur. Bandage à la jambe droite, où le tableau de bord l'a écrasé. Une attelle posée au niveau du bassin, collier cervical au cou pour tenir la tête droite, pansement avec bandage sur la tête. Il a voulu écrire pansement, à mon avis. Madame a repris connaissance et est placée sous anesthésie. La patiente peut encaisser une interrogatoire. Sauf qu'elle était totalement folle quand on était en train de lui parler, quoi. C'est cool, hein?
C'est cool. Cool quoi, Christophe? Pourquoi tu dis cool? Que la femme était folle? Ah, par contre, suis pas en service ou je suis le seul en service? Ok, bah, je suis le seul en service, à ce que je peux voir. Ah bah non, on est trois. Dans les vols de véhicules. Et il se passe. Putain, ils ont pas pu aller de. Ouh là là, mais je suis en train de laguer. Putain, j'étais plus fluide tout à l'heure. Ah, j'étais beaucoup plus fluide tout à l'heure. Non, non, pas le 45, le 9. Neuf heures 18 le bus. Ouais, ça va alors, je me lèverai pour 8 h demain. À demain, je t'aime mon cœur. Vivement demain. Hein? Promis, je t'aime. Ne t'en fais pas. Je t'aime, bisous. Ouais. Donc, le rapport va tomber, Madame Nicole et Timbre. Tari, pardon. Tari, complètement folle. D'accord, ok. Donc, ils l'ont déjà mise dans une cellule. Une cellule pour personne psychopathe quoi. D'accord. Voilà. Donc j'ai demandé quand même un rapport médical pour bien prouver que la femme est folle. Qui devrait m'envoyer donc par mail. Et à ce moment-là, je l'implémenterai dans le dossier pour bien stipuler que madame est complètement folle en fait. Hein. D'accord. Donc Bah, il voilà. faudra faire un rapport sur la femme, n'oubliez pas.
Oui, donc pour le rapport, je dois mettre donc l'accident ou les autres accidents qu'il a déjà eu. Ouais, tu mets tout ce qu'il y a sur la femme, comme ça, si D'accord. dans les prochaines enquêtes, on sait ce qu'il y a sur la femme. Ok, nickel. Pour les rapports, je les tape Dans où? le truc là, normalement, tu Dans le as. casier judiciaire? Ouais. Par contre, viens avec moi, avant de faire ça, j'ai besoin de toi sur un lieu au niveau de l'hôpital. Ok, nickel. Let's go. Ok, le piquet voulait pas me laisser passer. Bon, je prends mon vélo. Mon vélo, moi, je prends mon véhicule ou on monte ensemble? Ouais, non, tu peux prendre ton véhicule, on va devoir Ok. banaliser. Prise des indices de l'avion. Voilà, je Mets ta t'écoute. voiture un peu plus à l'arrière, comme ça on En voit tout le arrière? monde. Ouais, Je vais le mettre sur s'il le y a personne. trottoir. Ouais. Mais what the fuck? Mais j'entends quelque chose, mais je sais pas c'est quoi. C'est pas la voiture bleue là qui se trouve là derrière? Bien, figure-toi, c'est pour ça que je te fais venir, c'est parce que là le propriétaire a fait abandon de son véhicule. Donc Mais c'est le véhicule de l'avocat, ça! il a fait abandon de son véhicule. Ah non, et encore, attends. Non, c'est le mec qui voulait devenir inspecteur, agent de police, là, dans la fédérale. Ah, ben il a fait. Il faudra faire un rapport puisqu'il a fait l'abandon de son véhicule. Et Tous les rapports a que je été vais me taper, pacheté, moi. etc. Ben non, c'est pas toi qui le fait taper, mais si moi je pensais te demander qu'est-ce qu'on allait faire. Bah à mon avis on va devoir appeler Alors, si une on départ. veut un dépanneur, c'est à la personne qu'on va faire constater les dégâts du véhicule. Il devra payer donc le dépannage, les dégâts du véhicule et mal stationnement, puisque. Bah il a pas son le nom sur la plaque d'immatriculation. J'ai vu faire relever la plaque. T'as pas de nom? Attends. Non. Ah, c'est... Oula, j'ai un code 3, moi, par contre, ici. Ouais, c'est moi qui le fais. Ah, ok. Propriétaire Rico Blo. RICKOBLLO. Donc, que Peut-être fait-on? demander au médecin pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, si c'est la personne est peut-être décédée, hein, on ne sait pas. Donc, elle se Ouais. trouve quand même au niveau de l'hôpital, donc on devrait peut-être demander des renseignements. Ouais. Bon, en plus de ça, je l'avais vu. On a un véhicule abandonné stationné dans les fourrures là. On se demande un peu d'où il vient, on ne sait pas si la personne est décédée ou pas. J'ai demandé pour avoir un compte rendu d'une personne, Oh elle a ben. répondu donc. Oh là là. Rebonjour monsieur le médecin. Ouais, bonjour. Donc, première chose, on aura besoin de savoir si vous avez un patient à l'intérieur de l'hôpital. Au nom de Non. monsieur Riolu.
On n'a pas de patient chez nous, non? Non, d'accord. Vous savez si le Non, c'est un véhicule, collègue. le véhicule bleu qui se trouve à côté de votre hôpital et à votre collègue alors? Il est un autre collègue, lui, Oui. qui a pris avion il y a combien de temps? En urgence, oui, il a pris l'avion d'urgence, on l'a déposé vite fait en urgence. Et D'accord. justement, oui, il a oublié de nous donner ses clés. Ah, Donc il parce n'est pas sorti. que là, son véhicule est complètement cabossé, hein. Ah bon? Il est même HS, quoi. Hein. Ah bon? Oui, bah, Attends, on va venez voir. constater, vous allez voir. Oh là là, par contre, le live aujourd'hui. Ah oui. Ah oui, en effet, oui. Bah de base, il était pas ici dans le virage. Non. Il était Ce qui ici de paraît, c'est le base, non? véhicule de leur collègue qui a dû prendre l'avion en urgence. Ouais, mais ça fait un abandon du véhicule. Ouais, par contre, je vais devoir couper le stream, les amis. Je suis désolé. Moi, je vous dis à plus Et vous avez tard. vu aussi Et mon puis, gars là, bah, gros bisous à tout le monde et derrière, il y a merci à tous ceux un d'être qui est passés. pigeable. Allez, gros bisous. Ah.